française, bien encore germanique, étant donné que Rouen c'était un prénom d'origine germanique. Et puis nous avons une semaine en fait le ciel bleu ici avec des températures 25 degrés. Il me semble qu'il fait frisquer chez vous d'après les commentaires que j'ai entendus tout à l'heure. Je n'ai pas encore repris votre rôle et non plus votre prénom. Alors, j'ai déjà écouté, mais je l'ai oublié, excusez-moi, parce que je n'avais pas noté au moment venu. Vous êtes 57-58, cher Romain, de Saint-Pierre-et-Miquelon, 141, interrogation, retour sur vous. Et merci d'avoir pris bien la déférence de me recevoir. Ok, Rouen, bien bonjour, bienvenue et bonjour, bonjour, très bien. Ici, c'est 141, Alpha Tango 103. 141, AT 103, je répète. 141, AT 103, et le prénom de l'opérateur est bien Michel. Voilà, je suis régime de Saint-Pierre-Miquelon, où il ne fait pas bien chaud. C'est fort, de nord-ouest, ce matin, il a enlevé du moins 4. Et peut-être actuellement, maintenant, il est 13h15. Oui, 13h, presque 20 minutes, hein, 13h, 20 minutes. De l'autre côté, il doit faire du moins 2, avec le soleil maintenant. Voilà, Roland. 141, T103, Michel, je t'écoute. Ok, QSS5, Michel, 141, T103. Certainement qu'il doit avoir 5 heures de différence entre nous. Il est exactement hors local, 16h18. Alors, c'est la nouvelle heure d'été. Alors, QTC, il est 15h20. Oui, c'est ça. Bon, bah, 18 exactement. Il y a une horloge qui n'est pas bien calée par rapport à l'autre. Oui, alors le PC me dit qu'il est 19. Enfin, va savoir. Il y a chaque montre dans son heure. Enfin, quelques minutes, à une minute près. Au cas de Michel, bien, je mets avec 100 watts, avec un Yaesu Fox Tango 900. Le micro est un micro dynamique 600 ohms de chez Philips. Le préampli est un préampli Constant sur maison, 3 bandes et équalisé. Et l'antenne est une antenne projet personnel. C'est une cubical quad 5 éléments. Double radiateur, c'est-à-dire qu'il y a deux cadres rayonnants alimentés en opposition de phase, en ce moment en polarité horizontale, alors qu'elle est équipée aussi de deux autres cadres pour la polarité verticale, distancée de 10 cm des autres existants sur la polarisation horizontale, antenne qui se trouve à 14 mètres au-dessus du sol. Eh bien, je suis bimé 300 degrés en azimut, c'est là que je reçois ton plus confortable signal. Eh bien, j'espère que le temps va se réchauffer un petit peu, là, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré la latitude soit un peu plus élevée, mais enfin, chaque chose dans son temps. Il est évident que dans le sud-ouest d'Europe, la chaleur arrive plus tôt, étant donné qu'on est plus proche du soleil, qui s'approche d'ailleurs du reste. Eh bien, merci beaucoup du contact. Je suis en train d'enregistrer une vidéo que je vais mettre sur le YouTube. Tu pourras la consulter en cherchant soit ton indicatif 141 AT103 ou bien le mien 31 Sugar Delta, l'ancien indicatif 31 Sugar Delta 107, ou peut-être bien qu'on pourra le trouver sur la nouvelle dénomination, le nouvel indicatif 017. Bien, je ne te retiens pas davantage, je te souhaite une bonne après-midi de dimanche et j'espère te retrouver très bientôt. Tu es ma deuxième station sur les terres de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le premier contact a été avec un OM que je ne me souviens plus le prénom d'ailleurs. Mais enfin, tu dois le connaître certainement car vous ne devrez pas être nombreux sur le lieu. Les meilleurs 73 à toi, Michel, à l'ensemble de ta famille, puis bien sûr à ton réseau d'amis, et bien content d'établir ce contact inespéré avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Les meilleurs 73, à très bientôt, 14 AT, 103 de 31, Chuka Delta, 017 Orlando, Sud Portugal. Ok, 141, pas 14, hein, 141 Roland, hein. Pas de problème là-dessus, vous êtes très bien occupé au niveau antenne, hein. Même pas, ça passe très cuillère aussi. Ça passe très cuillère aussi, mon petit caillou, là. Mes connexions de trafic, moi, c'est pas une antenne directive, hein, c'est une antenne verticale, l'antenne 99, en piste de VA, l'antenne 99, qui est à peu près à 13 mètres du sol,
à 13 mètres du sol, je trafique avec une cinquantaine de whisky, le micro, c'est le micro d'origine de ce poste, c'est un Yaesu, le ST920 de chez Yaesu, qui marche bien pour moi, et j'ai un bon petit poste. Et je vais te demander aussi, Roland, est-ce que tu peux me donner le nom de ta ville que tu es au Portugal, là? Que moi, je connais un petit peu le Portugal, hein, j'ai pas été, mais je connais la ville d'Aveyron. La ville d'Aveyron, où je suis resté. Voilà, c'est Roland, avant de te quitter là, tu peux me donner le nom de ta ville, s'il te plaît, ouais? Oui, bien sûr, 141. Bon, excuse-moi d'avoir dit 114, mais je sais bien, c'est 141. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était une gaffe. Eh bien, ma ville n'est pas dans le nord comme Aveyron. Aveyron, c'est dans la partie nord-centre, au centre-nord, si on veut. C'est une ville maritime aussi. Eh bien, moi aussi, je suis dans une ville maritime, mais à quelques 40 kilomètres au sud-est de Lisbonne, la capitale. La ville s'appelle Setúbal. Je t'appelle comme Sierra, Echo, Tango, Uniforme, Bravo, Alpha, Lima. Ah tiens, en ce moment, je suis avec une autre antenne. Je suis avec la toute récente lancée Gain Master de chez Sirio. C'est une antenne en fibre de verre avec une bobine en câble coaxial. À la base, ce n'est ni plus ni moins qu'un Ugly Balloon. Et elle a 7,30 m en toute sa longueur. Je l'ai construite hier. Elle est au-dessus de la Cubical Quad. J'espère que tu m'écoutes encore. Alors, je disais que ma ville est donc la ville de Setúbal, là où se trouve la 14e baie la plus belle au monde, classée par l'UNESCO. C'est aussi l'estuaire de la rivière Sado, une rivière qui est née au Portugal, à quelques 150 kilomètres au sud de Setúbal, et qui est au même temps l'habitat naturel des dauphins roises. Alors ça fait que cette rivière est très peu polluée, c'est pour cela que les dauphins l'ont choisi pour son habitat naturel. Eh bien, les eaux sont limpides, très transparentes, malgré un peu froides dans cette région, où il y a une montagne qui s'appelle la montagne de la Rábida, et les belles plages sont juste à la base de cette montagne, avec des eaux très très transparentes, très claires, mais comme je dis, un peu froides. Okay, on peut pas tout avoir, voilà Michel. J'espère que tu as pris bonne note du nom de ma ville, Setúbal, et je te retire le micro pour confirmation, 141T103, Michel de 31, Chuka Delta 017 Orlando, en ce moment avec ce qu'on appelle la Gain Master de chez Sirio, copie conforme, fait maison. Voilà, je reviens sur la Cubical Quad pour plus de confort pour ton écoute. Retour, cher OM. Ok, j'y reprends, il n'y a pas de problème, Rolando. Tu passes 58-59. Très bonne modulation, hein, il n'y a pas de problème aussi. Ça me fait bien que tu continues là aussi, il n'y a pas de problème. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, Trituéo. Ok, pour si tu vois, là, il n'y a pas de problème, que je connais pas, que j'avais entendu parler, hein, parce que je naviguais sur un bateau qui était armé à Setúbal, là, pas de problème, ou dans le sud du Portugal, hein, dans le sud du Portugal, j'étais moins d'habitants sur Lisbonne, parce que je connais pas vraiment, mais j'avais, et Porto, évidemment. Mais je restais plutôt moi à Véro, qui est là à côté, qui était campagne de Nazareth. Voilà. J'ai appelé quelques investisseurs maintenant, mais je suis très content d'entendre le Portugal aujourd'hui. J'avais un peu le monde que je n'avais pas parlé au Portugal. Bon, ben merci d'avoir répondu, Roland. Roland, et puis tu dis pour ton antenne, les Tricuéron, pour tes deux antennes, et pour ton poste pareil, hein, très très bonne modulation de mon côté. Voilà, tous les bons chiffres. Et puis, bien bonjour chez moi, là, et peut-être un des jours en fréquence, moi j'ai plus sûrement le week-end que je passe ici, surtout je crois la propagation est ouverte, parce que la propagation de côté est assez capricieuse, voilà, merci beaucoup, sur 41 T 103 Michel, qui termine avec 31 sous la delta 017, l'ami Roland, au revoir, à la prochaine. Oui, ok, bien, je vais te demander... Parce que je fais collection de drapeaux, je vais te demander un petit plaisir.
Si tu peux faire une petite visite à mon website personnel pour que tu puisses, bon, avec ta visite, laisser le drapeau de Jean-Pierre et Miquelon sur mon analyseur de visite. Voilà, il est très simple de trouver. Il suffit d'ouvrir le Google et taper 31 Sugar Delta 107 107, donc mon ancien call. Et je te remercierai d'avance. Comme ça, en même temps, tu peux regarder toutes mes réalisations, car je fais toutes mes antennes, aussi bien les antennes AM, des bandes AM, donc radioamateurs, que les antennes 11 mètres. Je suis un fou, un mordu, un fou mordu, un fou passionné par les antennes. Je fais de ça mon hobby principal. Eh bien, je suis aussi bien content de te trouver sur la bande et savoir que c'est quelqu'un qui connaît une part de mon pays. Et moi, en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, non, ben, je suis jamais allé de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, la France, je connais très bien, car j'ai vécu 15 années, de l'année 69 à 84, en région parisienne. C'est pourquoi je domine quelque peu la langue de Cambronne. Les meilleurs 73, à très bientôt, cher Juan, Michel. Amitié à l'ensemble de ton staff familial et puis à ton réseau d'amis. Et au plaisir de se retrouver prochainement en fréquence, malgré les caprices de la population. 73, Michel, à très bientôt, merci. Merci, bye bye.